Ces derniers mois, la relation entre Ilona Go et Julien Beurth a connu de nombreux rebondissements. Après s'être séparés à plusieurs reprises, les deux jeunes stars des Marseillais sur W9 ont longtemps tenu en haleine leurs abonnés quant à l'avenir de leur couple. Et ce samedi 9 octobre 2021, la jeune femme a enfin levé le voile sur l'avenir de sa relation. Il est temps pour moi de prendre la parole au sujet de mon couple avec Julien, voire Diaporama, a-t-elle d'abord expliqué. Une relation qui n'est née plus une, selon la jeune femme, parce que l'on a décidé d'un commun accord de se séparer définitivement cette fois. Il n'y aura pas de retour. On a vraiment bien réfléchi, pesé le pour et le contre. Si est-il trop de destruction, trop de souffrance, on s'est fait beaucoup trop de mal, a-t-elle ensuite mentionné. Une relation qui a fortement marqué cette dernière qui a partagé que leur caractère n'était plus compatible. Si est-il très dur. Mais quand tu réalises que tu te fais plus de mal qu'autre chose, des fois il vaut mieux partir, a-t-elle ensuite indiqué. Au sujet de sa relation avec Julien Beurth, Ilona Go a révélé qu'elle était devenue une personne qu'elle n'aimait pas. Trop méchante et matérialiste, la jeune femme de 25 ans n'a pas apprécié l'image qu'elle véhiculait. Une perception qui a d'ailleurs été pointée du doigt par ses abonnés qui, selon ses propos, ont été nombreux à lui faire la remarque. Désormais, cette dernière souhaite être entourée des gens qu'elle aimait vivre de belles choses. Tout porte à croire qu'Ilona Go est désormais déterminée à aller de l'avant. Pour rappel, les deux candidats se sont mis en couple lors de la saison 7 des Princes et des Princesses de l'Amour, en 2019. Ils avaient, peu de temps après, annoncé leur fiançailles dans la même émission. Mais en décembre dernier, Ilona Go était apparue en larmes sur les réseaux sociaux pour annoncer leur rupture. Une brève séparation puisqu'en juillet dernier, les deux candidats avaient annoncé, à demi-mot, une énième réconciliation.